Et pour ce dernier numéro de la saison, on vous a préparé un petit best-of. En effet, nous avons parcouru toute la France pour vous ramener des images inédites de vos rappeurs préférés. Mais pourquoi tu parles comme ça là? On n'est pas dans enquête exclusive. Mais tu crois que je vais faire face B toute ma vie ou quoi? Le hip-hop, c'est pété, ça paye pas. Moi, j'ai envie d'aller à Pattaya, j'ai envie de savoir qui a fait tes petites Nike là. T'as pris la grosse tête, toi, ça y est, depuis qu'on est à la canne, monsieur veut aller à Pattaya. Allez, tout de suite, reportage. Dédicace à la face B de l'autre côté du hip-hop. Et on l'a chanté avec Philharmonique, avec une 99 musiciens, l'Orchestre National Philharmonique. Bon, c'est un kiff quand même. Ça m'emmène de délire au lieu de chanter avec un DJ, des hippos seulement là, t'as 99 musiciens. Comme ça. Et toi, t'es là, tu kiffes. Tu vois, c'est attends, après, chacun vit son rêve comme il le veut. Ok, la famille, c'est Willax. Asif, c'est pour l'émission Face B sur ma chaîne employée. Easy. Tu vois ce que je pense? Je suis au Zénith de Caen pour le hip-hop Normandie Connexion. Non, c'est ça? Caen, 1, 2, 3! Et Jen, t'es au courant là, Rap Max, ça y est, ils font leur grand retour. Ah, je suis content. Salut, c'est This Is. Retrouvez Face B tous les lundis à 22h15 sur MCE. Dans les coulisses des Trash Urban Music Awards, c'est aussi ça, c'est aller jusque dans les coulisses, dans les loges de Sonia Roland. Excuse-nous de t'avoir embêté jusque là. Non mais c'est pas grave, je vous en veux pas, mais vous allez le payer cher. Mais en tout cas, je sais que je rappe mieux que tous ces rappeurs. Et ils le savent, y'a pas de problème. L'expression, ouais, je suis pas un mouton, je suis un berger. Ouais. Et ben nous, on est même pas des bergers. On est même pas le vent, on est l'air. Ces enfoirés m'ont mis à la fin, histoire que je suis un bourré et que j'ai bu tout ce qu'il y avait dans les loges. Ok, c'est Maître Gims pour Face B sur MCE. À suivre. Merci beaucoup. Face B, la nouvelle émission du rap. La nouvelle émission du rap. Service à la Périgues, mais ça ferait bien les Dominiques, la mettraille à tout. La mettraille à tout. Ah, t'as quoi, toi, t'es honnête? Tu veux une bouteille de Christian Yorata ou quoi? Et il y a peut-être des capotes et des mercos à gagner. Non. Oh, wow. Bonsoir, oh la vache. Bonsoir. Non, c'est moi. Tu me vois ou est-ce que tu nous vois tous les deux? Le rap, il doit faire des featuring avec Bruel pour qu'on le voit à la télé. Voilà la concession qu'on doit faire pour voir du rap à une heure de grande audience. C'est quand même un délire. Tonton Marcel connaît un peu tous les rappeurs, mais il va pas à toutes les conférences de presse. Et s'il est venu à celui-là, c'est parce qu'il a un grand respect. Ouais, c'est très bien, Tonton Marcel, on s'en jaille. J'ai une question, quand est-ce que tu coupes les cheveux? Je sais pas, en fait, je suis en studio. Et quand je suis en studio, j'avais déjà vu dans une interview, tu as déjà dit il y a un an, hein. Ouais. Tu te répètes. Ton vrai péché mignon, c'est la tease ou c'est les meufs? C'est l'alcool. L'alcool? Plus que les femmes en tout cas. Pourquoi? En coulisses, j'avais l'impression que t'étais plus meuf que tease. Peut-être un peu des deux au final. On n'est pas les moutons, on n'est pas le vent, c'est-à-dire on suit pas le berger. Ok. On n'est pas des moutons qui vont suivre le berger. On va même pas suivre le vent. On est là. Tag bolo. T'as une image de beau gosse du rap, t'as une image de mec un peu... Non, c'est vrai. Non, c'est un beau gosse, joke. Après, je suis conscient un peu de l'image que j'en vois parce que je vois les retours que j'ai, tu vois, je suis conscient. Les retours féminins. Ouais. T'as souvent l'occasion de mixer comme ça sur un bateau? La dernière fois que j'ai mixé sur un bateau... Ah, c'était pas le même genre de bateau, c'est clair. En termes de rap, j'ai encore des gueules à casser. Hein, tu vois, et donc à ce niveau-là, c'est mon premier objectif. C'est qui ton rappeur préféré? C'est Biggie. ouais, je t'ai eu. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit. Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je suis la meute, personne ne peut. Ça sent les meutes, ça commence. Voilà, ils ont bercé la ville, Sainte-Soupa, Leroy Spectra et toute la troupe, donc voilà. Ça me rajeunit pas, mais vous inquiétez pas, j'arrive. Ça va,
remarqué qu'il y avait quand même un vrai point commun entre lui et toi. Tu sais lequel c'est ou pas? Le swag, il le sait. Le point commun, c'est le putain de swag, mec. Ce mec est tellement chaud, mec. Eh, hey, faut suivre ce gars, mec. Instagram shit, tout ça sur le terrain. Le mec est trop chaud. À l'époque, je venais avec des valises de rap et je te jetais ça sur la tête. Balance un son, je tournais la pêche. On venait avec des mallettes de rap, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On venait à 4-5 avec Stubby, Boda, tout le monde. On venait comme ça. Moi, j'ai envie d'aller à Pattaya. J'ai envie de rencontrer ces petits hindous là qui nous fabriquent nos ballons de foot. Hein? Mais déjà allé à Cannes, ça va. C'est quoi ces petits hindous là? Je comprends pas. Je ne vous avais pas menti, il y a bien du hip-hop officiel de Cannes et la fête continue. Ta gueule! Shabarang! Et de refuser de simplifier les choses en faisant j'ai mon double. C'est un peu facile. Beyoncé, elle fait ça, Sasha Fierce, donc elle se permet de montrer un bout de fesse et tout quand elle est en Sasha Fierce, mais c'est pas Beyoncé, c'est Sasha Fierce, et après elle dit pardon, l'église et tout. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. C'est la face B. C'est la face B. Dédicace pour la seule vraie face, la face B, celle de l'instrumental. Mais quand tu connais en fait toi, Joystar? On était au collège ensemble en 6ème. Juste pour toi, à part cette sorte de foot qui va tout gagner. Je me mets du crop. C'est quoi G-Squad? G-Squad, tu connais pas? Je suis raide dingue de toi, raide d'un quart, tu vois. C'est la première fois pour moi. Oh yeah yeah. Je connais pas. Tu révises tes classiques, mon gars. C'est MZ Music sur MCE pour Face Baby. Bang. Yeah. Mais non, moi j'ai cru. C'était fini. Ouais, t'as les coupé en plus, non? Bah oui. Dédicace pour Face B. Y'a pas de face A, y'a pas de face C, c'est la face B, c'est tout. Hey, salut bande de bâtards, on en place une petite pour Face B sur MCE. A bientôt bande de... Aïe, bâtard ouais. Salut les gars.